Bonjour, je suis Madame Bonazébi Diodrine, je suis professeure de lycée. Notre cours d'aujourd'hui va se baser sur le triple saut. Et pour ce faire, nous rentrons directement dans le vif du sujet. Le triple saut consiste à franchir en trois bonds successifs la plus grande distance possible après une course d'élan. Voilà à peu près de quelle manière on peut définir le triple saut. Mais avant de définir le triple saut, nous allons voir ce que veut dire sauter. Sauter, c'est se mouvoir dans l'espace en vue de franchir une distance déterminante, une longueur ou une hauteur. On va écrire ça au tableau. Définition des concepts. Définition des concepts. Voilà. Grand 1, petit 1, sauter. C'est se mouvoir. C'est se mouvoir dans l'espace, en vue de franchir une distance, de franchir une distance déterminant une longueur, ou une hauteur. Voilà comment nous avons défini le verbe sauter. 1, 2, le triple saut. Le triple saut. Le triple saut consiste à franchir. En trois bonds, successifs, la plus grande distance possible. Après une course d'élan. Point. Sauter, c'est se mouvoir dans l'espace en vue de franchir une distance déterminant une longueur ou une hauteur. Le triple saut consiste à franchir en trois bonds successifs la plus grande distance possible après une course d'élan. Voilà. Trois bonds successifs. OK, là, on a sauté un S. Nous passons au but du triple saut. C'est être capable de parcourir la plus grande distance horizontale entraînant trois bonds, un cloche-pied, une foulée bondissante et un saut en longueur suite à un élan étalonné et de terminer par une réception sur les deux pieds. Le triple saut consiste à franchir en trois bonds successifs la plus grande distance possible après une course d'élan. Le petit 1, sauter. Le petit 2, le triple saut. Et 1, 3, le but.
but du triple saut. C'est être capable de parcourir, être capable de parcourir, être capable de parcourir la plus grande distance, la plus grande distance horizontale. En enchaînant les trois bancs, en enchaînant trois bancs voilà, entre parenthèses, un cloche-pied. Virgule. Une foulée bondissante. Et enfin, un saut en longueur. Voilà. Nous fermons. Nous allons bien écrire ici un saut. Voilà. Un saut en longueur. OK. Point. Suite à un élan. Étalonné. Et de terminer par une réception sur les deux pieds. Voilà, le I1, le I2 et le I3. Nous passons au règlement. Le règlement du triple saut. Nous avons des caractéristiques. Le triple saut est caractérisé par trois bancs, repartis comme suite. Le premier saut, qu'on appelle le cloche-pied, c'est ce qu'on a écrit ici. Le deuxième saut, foulée bondissante. Et le troisième saut, c'est la réception avec les deux pieds. Mais ne confondons pas. Le cloche-pied, c'est avec le même pied. La foulée bondissante, on change de pied. Et enfin, la réception avec les deux jambes. Ou avec les deux pieds. Nous allons mettre ça au tableau. D'abord, règlement. OK. Grand 2. Règlement. Nous disons donc ceci, grande 1, nous parlons de ses caractéristiques. Caractéristiques du triple saut. Le premier saut, 2 points. Le cloche-pied. Et donc, j'ai dit tantôt que le cloche-pied, c'est la réception, c'est sur le même pied. La réception,
et sur le même pied. Sur le même pied. Ensuite, le premier saut. Le deuxième saut, caractéristique du triple saut. Il y en a beaucoup, nous ajoutons le S. Le deuxième saut, la foulée bondissante. La foulée bondissante. Entre parenthèses, changement de pied. Donc, nous passons ici. Changement de pied. Changement de pied. Et nous fermons. Le troisième saut. Troisième saut, deux points. C'est le saut avec réception. Saut avec réception. Saut avec réception sur les deux. Sur les deux pieds dans la fosse. Le troisième saut. Saut avec réception sur les deux pieds dans la fosse. Je reprends. Le premier saut, c'est le cloche-pied. La réception sur le même pied. Le deuxième saut, la foulée bondissante. Changement de pied. Et le troisième saut, saut avec réception sur les deux pieds dans la fosse. En fait, c'est ce que nous disons dans le jargon de l'épaisse. Gauche, gauche, droite, deux pieds. Ça résout tout. Nous passons au niveau du... Nous avons fini avec les caractéristiques au niveau des sauts. Et maintenant, nous allons passer au niveau de la planche d'appel. Nous allons d'abord effacer ceci. Planche d'appel. Voilà. OK. Planche d'appel. Nous sommes toujours dans les caractéristiques qui est un sous-tiré du règlement. Donc, nous passons au niveau de la planche d'appel. La planche d'appel. Planche d'appel. Nous avons dit tout à l'heure qu'elle est faite en bois, deux points. Elle est faite en bois ou tout autre matériel ou tout autre matériel approprié. Tout autre matériel approprié. Peinte en blanc, virgule. Peinte en blanc. Et mesure 1,22 m de long. Et mesure 1,22 m de longueur. De long. Virgule, 20 cm de large, virgule, dans l'épaisseur, est de 10 cm. Point. Nous passons à la zone de chute. Nous allons mettre un astérix et un deuxième astérix.
la zone de chute. La zone de chute, entre parenthèses, fausse, que cela ne vous embrouille pas, elle est de forme. Elle est de forme. Elle est de forme. Elle est de forme rectangulaire. Voilà. Elle est de forme rectangulaire. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Chute, c'est avec un saleté. La zone de chute. Voilà. Elle est de forme rectangulaire. Elle est de forme rectangulaire dans la longueur. Dans la longueur est de 9 mètres, virgule, et 2,75 mètres de large. Voilà les dimensions de la zone de chute. Nous revenons ici au niveau de la planche d'appel. Il y a une différence. La planche d'appel des filles n'est pas placée à la même distance que celle des garçons. Chez les filles, égale 5 mètres. Les garçons, 7 mètres. Faites excessivement attention. On n'est pas au saut en longueur où on doit classer les, où on doit classer, on doit placer les, la planche au même niveau. Voilà. Nous avons fini les caractéristiques de, du triple saut. Nous passons au mesurage. Je pense que nous passons au mesurage. Voilà. Nous allons prendre quelques secondes pour effacer. Nous passons au mesurage. Le mesurage, c'est le grand 2, 2. Le mesurage, le grand 1, on était au niveau des caractéristiques. Et donc, le grand 2, 2, mesurage du saut. Donc, prenez besoin qu'on remette ça ici. Nous allons descendre un peu plus bas. Mesurage du saut. C'est un sous-titre. Bon, à ce niveau, nous disons ceci. Elle s'effectue de la marque la plus proche de la zone de chute à la ligne d'appel et perpendiculairement à celle-ci. Nota bene, le point zéro du décamètre est placé à l'empreinte. Entre parenthèses, marque la plus proche. Et la lecture de la performance se fera au niveau de la planche d'appel. Nous allons mettre tout ça au tableau. Elle s'effectue. Elle s'effectue de la marque de la marque de la zone de chute à la ligne d'appel, à la ligne d'appel. À la ligne d'appel. Et perpendiculairement à celle-ci. Perpendiculairement à celle-ci.
Nous passons au nota bene tout à l'heure, comme je disais. Le point zéro. Nous reprenons. Elle s'effectue de la marque de la zone de chute. De chute. À la ligne d'appel et perpendiculairement à celle-ci. Nota bene. Le point zéro. Le point zéro du décamètre est placé à l'empreinte. Entre parenthèses, marque la plus proche et la lecture de la performance se fera au niveau de la planche d'appel. Voilà. Au niveau de la planche d'appel. Voilà. Comment on mesure le saut? Nous passons à la validité d'un essai. Le nombre d'essais, l'apprenant a 3 essais. Où il a droit à 3 essais. Un essai est bon. Donc, nous donnons la définition ou bien, qu'est-ce qu'on appelle un essai bon? Un essai est bon si l'appel a été pris d'un pied, s'il n'a pas été effectué en avant de la zone d'appel, si la forme du saut a été respectée, c'est-à-dire cloche, foulée et réception. Bon, au niveau de la validité de l'essai, on va d'abord mettre ça au tableau, après on va expliquer. Ne confondons pas un élève qui a fait un essai nul et un mordu. Ça peut également prêter à confusion. Sinon, ça dit la même chose. Un essai nul, l'enfant peut courir, mais il n'a pas sauté. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris ses marques pour sauter. Un essai également est nul quand un élève a couru, mais que son pied se retrouve au-delà de la planche d'appel. 2-3, validité d'un saut. Cher élève, vous pouvez également écouter validité d'un essai. Ça dit la même chose. Un saut ou un essai. Mais n'oublions pas que l'apprenant ou l'élève a droit à 3 essais. Pendant ces 3 essais, s'il y a que des essais nuls, ça veut dire que l'élève a 0. Nous écrivons ceci. Le nombre d'essais, entre parenthèses, saut, l'apprenant a droit à 3 essais. Voilà. Et ce saut ou cet essai est bon à quel niveau? Un essai est bon si l'appel a été pris d'un pied
a été pris d'un pied. Voilà. S'il n'a pas été effectué, s'il n'a pas été effectué, s'il n'a pas été effectué en avant de la zone d'appel, en avant de la zone d'appel. Si la forme du sceau a été respectée, si la forme du sceau a été respectée. Qu'est-ce qui a été respecté? C'est la forme du sceau. Entre parenthèses, effectué, a été effectué. Un essai est bon si l'appel a été pris d'un pied, s'il n'a pas été effectué. Voilà. S'il n'a pas été effectué. Voilà. En avant de la zone d'appel. Si la forme du sceau a été respectée. Quand on parle de forme, nous avons le cloche-pied, la foulée bondissante. La foulée bondissante, virgule, et enfin la réception dans la pose. La réception. Voilà. Nota bene. Le saut doit être obligatoire, effectué dans l'ordre chronologique. Pourquoi dit-on qu'il doit être obligatoirement effectué dans l'ordre chronologique? Gauche, gauche, droite, deux pieds. Ou droite, droite, gauche, deux pieds. Si vous inversez, ce n'est plus la même chose. Quel que soit le pied que vous prenez au début de l'appel, ce pied doit, le même pied doit retomber et afin de pouvoir changer. Tout à l'heure, quand on a expliqué les cloches-pieds, c'est ce que j'ai dit. Donc, quand on parle de l'essai qui est bon, au niveau de la forme du saut, le gauche, gauche, au niveau de la foulée, droite, deux pieds doit ressortir. Ou encore, on fait l'inverse, droite, droite, gauche et deux pieds. Les deux pieds peuvent être utilisés, les deux pieds doivent être utilisés, impérativement, de la même manière. Donc, nous écrivons ça au tableau. Le saut doit être, le saut doit être obligatoire, obligatoirement effectué, le saut doit être obligatoire, le saut doit être obligatoirement effectué, effectué dans l'ordre chronologique. Dans l'ordre chronologique. Dans l'ordre chronologique. Suivant. Ce que je disais tantôt. Gauche. Virgule, gauche, droite et deux pieds. Et deux pieds. Les conditions d'un essai nul. 2-4. Les conditions d'un essai nul. Les conditions d'un essai nul.
À quel moment parle-t-on d'un essai nul? Un essai est dit nul si l'apprenant prend l'appel après la planche, si l'apprenant n'a pas respecté les trois bancs, s'il marche en arrière dans la zone de chute, donc la fosse, après avoir sauté, et si l'élève traverse sans sauter la planche d'appel. Voilà les quatre caractéristiques quand on parle d'un essai nul. Nous allons effacer par ici afin que nous puissions continuer. Nous avons dit tantôt que l'essai est dit nul. Premier tiré. Un essai est dit nul. Est dit nul si l'élève. Si l'élève prend l'appel après la planche. Prend l'appel après la planche. Si l'élève n'a pas respecté les trois bancs. S'il marche en arrière dans la zone de chute. Dans la zone de chute. Entre parenthèses, fausse. Après avoir sauté. Enfin, si l'élève traverse sans sauter la planche d'appel. Voilà les quatre points où l'on peut dire si un essai est nul. On était au niveau des conditions d'un essai nul. Nous passons au 2.5, le rôle des officiels. Le rôle des officiels. Il existe 6 officiels au triple saut. Nous avons le juge d'appel, chargé de vérifier les noms des élèves inscrits sur la liste officielle. Le juge de la planche d'appel, chargé de valider ou non un essai. 2 juges chargés de mesurer le saut dont l'un communique la performance au secrétaire. Un secrétaire chargé de relever la performance communiquée par le juge et enfin un juge chargé d'aplanir la fosse après chaque saut. Nous mettons ça au tableau. Le juge d'appel chargé de vérifier les noms. Les noms des élèves inscrits sur la liste officielle.
inscrit sur la liste officielle. Le juge de la planche d'appel. Le juge de la planche d'appel. Chargé de valider ou non un essai. Le juge de la planche d'appel chargé de valider. Chargé de valider ou non un essai. Point virgule. Deux juges. Deux juges chargés de mesurer. Chargés de mesurer le seau. Chargés de mesurer le seau dans l'un communique. Dans l'un communique. Dans l'un communique. La performance au secrétaire. La performance au secrétaire. La performance au secrétaire. Deux juges, le juge d'appel chargé de vérifier les noms des élèves inscrits sur la liste officielle. Le juge de la planche d'appel chargé de valider ou non un essai et deux juges chargés de mesurer le seau dans l'un communique la performance au secrétaire. Nous continuons. Nous allons effacer ici. Nous avons dit tantôt qu'il existait six juges, ou bien si vous voulez six officiels. Le juge chargé de la planche d'appel, le juge chargé de vérifier les noms des élèves inscrits sur la liste des officiels, le juge de la planche d'appel chargé de valider ou non un essai, deux juges chargés de mesurer le seau dont l'un communique la performance au secrétaire. Nous avons un secrétaire chargé de relever la performance communiquée. La performance communiquée par le juge. Par le juge. Enfin, nous avons un juge chargé pour aplanir. Un juge chargé d'aplanir la fosse. D'aplanir la fosse. Après chaque saut. Voilà le rôle de chaque officiel ou chaque juge. Nous passons au 2.6 matériel utilisé. 2.6 matériel utilisé. Il y a plusieurs matériels. Voilà. Au niveau des matériels utilisés, nous avons des matériels mobiles.
ce que l'on déplace et un matériel fixe. Le matériel fixe, c'est le sautoir. Le matériel mobile, nous avons deux planches, l'une pour les filles, l'une pour les garçons, un décamètre ou un pentamètre, une pelle ou une houe, des draplés, des plots et parfois des élastiques. Nous mettons ça au tableau. Voilà. Matériel fixe. Matériel mobile ou matériel fixe. Nous commençons avec le sautoir. Deux points. Le sautoir. Matériel mobile. Matériel mobile. Parce qu'il y en a plusieurs. Deux points. Nous avons deux planches. Voilà, en faisant ceci. Deux planches. Entre parenthèses, filles et garçons. Ensuite, nous avons un décamètre ou pentamètre. Nous avons une pelle ou une houe. Nous avons des drapelets. Des drapelets ou plots. Voilà le matériel utilisé. Matériel mobile, matériel fixe. Voilà les matériels utilisés. Ensuite, nous faisons un récapitulatif. Après le rôle des officiels, ils sont six. Après le rôle des officiels, nous avons le matériel utilisé. Dans le matériel utilisé, nous avons le matériel fixe qui est le sautoir. Le matériel mobile, on a deux planches, l'une pour les filles, l'autre pour les garçons, un décamètre ou un pentamètre, une pelle et puis les drapelets. Voilà. À partir de là, nous pourrons respirer pour enfin faire un récapitulatif sur tout ce qu'on a vu. Nous reprenons d'abord à partir des rôles. Nous avons parlé des bûches. Nous avons parlé des secrétaires, de matériel. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y avait d'abord. Nous effaçons ici. OK. Deux planches, filles, garçons, un décamètre ou un pentamètre, une pelle. Et donc, ici, on a dit des drapelets. Voilà. Des drapelets. Des drapelets. Voilà. Nous allons passer au schéma illustratif d'un sautoir. Mais pour ce faire, nous allons effacer ici afin de monter notre schéma. De cet schéma, illustratif d'un sautoir au triple saut. D'un sautoir du triple saut. Voilà. Nous allons dessiner un schéma.
Voilà. Et à partir d'ici, nous avons une planche par ici, des filles à 5 mètres. Voilà. Et une autre planche par là, à 7 mètres, pour les garçons. Le couloir, là, fait 1,22 m. On l'a dit tantôt dans le cours. Et la distance d'ici à là, fait 7 mètres, comme je l'ai dit. Et puis ici, elle fait 5 mètres. Là, nous sommes à 9 mètres et comme ceci, 2 mètres, 2,75. Voilà, 2,75. Voilà à peu près le schéma illustratif d'un sautoir au triple saut. Pour la bonne compréhension du cours, je vais vous poser deux questions par rapport au cours, à ce cours, donc le triple saut. Et on va voir si vous avez retenu les notions. La première question. À quelle distance de la fosse se situe la planche d'appel chez les filles et chez les garçons? La seconde question. Donne les dimensions de la planche d'appel et la largeur de la piste d'élan. Je vous donne quelques minutes pour réfléchir à ceci. Bon, avant qu'on en revienne sur ces questions, par rapport à ce dessin ou à ce schéma, je l'ai dit tantôt que ceci, entre la première ligne et la deuxième ligne, à l'intérieur, ça fait 1,22 m. N'oubliez pas que tout ça, ça s'appelle la piste d'élan. Voilà. Piste d'élan. Et qu'ici, c'est la fosse. Voilà. Tout ça, c'est la fosse. Donc, nous avons la piste d'élan. Nous avons la première planche, celle des hommes, à 7 mètres, la seconde, celle des filles. Après, nous revenons par rapport à ce questionnaire. J'ai dit tantôt à quelle distance de la fosse se situe la planche d'appel chez les filles et chez les garçons. Donne les dimensions de la planche d'appel et la largeur de la piste d'élan. Nous allons répondre à la première question. À quelle distance de la fosse se situe la planche d'appel chez les filles et chez les garçons? Le plus simplement, nous disons, chez les filles, elle est située, c'est une planche à 5 mètres et 7 mètres pour les garçons. Voilà. La deuxième question. Nous parlons des dimensions. Au niveau des dimensions, la planche d'appel, donne les dimensions de la planche d'appel et la largeur de la piste d'élan. Les dimensions de la planche d'appel, la longueur égale à 1,22 m. La largeur égale à 20 cm et l'épaisseur égale à 10 cm.
Ensuite, la largeur. On a parlé de la largeur de la piste, Ella. Nous disons tout simplement que la largeur de la piste, la largeur de la piste d'élan est à 1,22 m. Voilà pour les réponses de ces deux questions. Nous avons fini notre cours d'aujourd'hui. Je vous remercie.